À quoi pense l'acteur quand il joue? C'est au metteur en scène de dire à quoi il faut penser en même temps que les dialogues qu'il a écrits. C'est comme la hauteur caméra, c'est tout ça qui fait une scène de cinéma. Jean-Pierre Léo, quand il accepte de jouer dans un film, c'est peut-être parce que ça l'inspire ou par amitié, je sais pas. En tout cas, c'est sincère. Bonjour Jean-Pierre. Salut. Je fais un truc, ta maman et la putain. C'est ça que je t'ai demandé de venir. Mais peut-être t'as pas envie d'en parler, c'est pour toi. Enfin, moi je peux en parler moi. Dans les années 60, j'ai fait cinéphile et j'ai aimé le cinéma pour le cinéma. Pas parce que c'est un moyen de cinéma comme une fin en soi. Les premiers films sont une sorte de devoir l'élève, ce qui m'avait beaucoup troublé et influencé, et qui avait été très important dans ma vie, la nouvelle vague. Les films que j'ai fait plus tard, les films plus longs, avec également des voir et des hommages rendus au cinéma qui avaient eu une importance immense dans ma vie, car je crois que dans ma vie, c'est le cinéma que j'ai le plus... Bravo, 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 bravo! Mais je vais te montrer comment il faut tirer. Dans les années 60, j'ai été ici. Et j'ai le cinéma pour le cinéma. Pas parce que c'était un moyen. J'ai aimé le cinéma comme une fin en soi pour l'écriture. Mes premiers films sont une sorte de devoir d'élève. Ce qui m'avait beaucoup troublé et influencé. Et qui avait été très important dans ma vie, la nouvelle vague. Les films que j'ai fait plus tard ont été également des devoirs et des hommages rendus au cinéma. Il y avait eu une importance immense dans ma vie, car je crois que dans ma vie, c'est le cinéma que j'ai le plus aimé. La mer se découvre de sa belle quadrateur, s'adressa à la foule. Saluons, messieurs, dames, saluons la première victime de la paix. Je m'évanouis. C'est bon? C'est bon. Ah bon, si c'est bon. Ouais. Moi, je t'aime. Dialogue dans ton café avec Jean Eustache. J'avais entendu dire, justement, pour mon opérateur et d'autres gens, des élèves de l'école de Vaugirard, de l'école d'opérateurs, que les opérateurs, pour pouvoir s'entraîner comme ça, acheter, regarder les productions en cours et acheter au directeur de production les chutes vierges, des films comme ça, quand on tourne la caméra à 300 mètres, on a les chutes de 50-60 mètres, qu'on revend à la fin des films, à moitié au quart de prix, comme ça, et on peut réunir, en certains embêtants, il faut recharger tout le temps, genre comme ça, mais enfin, on peut acheter pour très peu cher de la pellicule. Alors j'ai cherché les films qui se faisaient, les films noir et blanc qui se faisaient, j'ai dit je vais acheter la pellicule comme ça, quand j'aurai la pellicule, je verrai, comme ça, j'aurai un peu de temps dans la même, 2-3 mois. Et Godard allait tourner masculin féminin. Alors je lui ai demandé, jusque-là j'avais cherché, j'avais encore rien trouvé, j'avais les gens disaient non, on va en parler, on garde la pellicule comme ça. Et lui m'a proposé carrément de me donner la pellicule pour le tournage. Il m'a dit, si vous voulez la pellicule, je vous donne. Et puis le tirage, copie de travail, et puis faites votre film. Quand le film a été... Je suis revenu à Paris, j'ai monté le film très très vite. J'ai monté et mixé le film très vite. C'est-à-dire, un mois après le premier jour de tournage, il était fini. Cinq semaines après le premier jour de tournage, il était mixé. Et j'ai montré à Godard et à d'autres personnes. J'ai montré à Godard pour faire voir ce qu'on avait fait. Comme ça. Et il a fait en charge quelques factures qui restaient à payer, de mixage, de son, enfin pas mal quand même. Et puis le tirage d'une copie standard,
Et afin les dettes que j'avais, somme qui était quand même considérable, c'est devenu une production de la société de Godard. Qu'est-ce qu'il a dit du film? Oh, il a rien dit. Il a dit qu'il aimait bien. Enfin, moi, il m'a dit qu'il aimait bien. Enfin... Le film coûte combien au total? Il coûte à peu près 10 millions. Il coûte à peu près 10 millions. C'est un film tourné entièrement en province. De 45 minutes au budget total et à peu près 10 millions, ce qui fait que ça fait un long métrage à 20 millions. C'est pour un court métrage, c'est cher, 10 millions, mais en fait, c'est pas cher parce que c'est. Pour trois quarts d'heure, son direct, tourner en province comme ça, c'est pas cher du tout, c'est la moitié d'un long. C'est cher pour un court métrage, mais c'est pas cher pour un film qui est la moitié d'un long métrage. Il a été distribué, celui-là. Il a été distribué, mais très mal. Je veux distribué n'importe comment. Jusque-là, je m'étais jamais préoccupé des affaires de distribution. J'ignorais complètement. Mais enfin, on m'avait dit comme ça que les distributeurs distribuaient n'importe comment, n'importe quoi, ce qu'ils avaient. C'est vrai, je ne savais pas, mais c'est vrai, le film a été distribué par un type qu'il n'avait même pas vu, qui ne savait pas du tout ce que c'était. Comme il avait été enfin, la critique sélectionné au festival de Pesaro, enfin quelques festivals comme ça, il a pris comme ça sur le nom, sans savoir, et il a distribué n'importe comment. Enfin, il a vendu mal une marchandise qu'il ne connaissait pas. Il a vendu n'importe comment une marchandise qu'il ne connaissait pas. C'est ce qu'il y a de pire, je veux dire, dans le cinéma. Comme ça, c'est pour ça que les films sont toujours mal distribués, pas là où il ne faut pas, quand il ne faut pas, avec ce qu'il ne faut pas. Ça a fait d'une façon complètement aberrante. Enfin, c'est fait par un incapable. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'ennuie en province. Hein. Bon, c'est la mort de la vie intérieure un peu. C'est pas exactement l'histoire d'un jeune homme qui s'ennuie. Pour moi, c'est difficile de retrouver parce que je ne sais pas si c'est dans le film. C'était mes intentions avant. Dans le film, c'est ridicule de les dire. Si elles y sont, on peut les voir. J'y ai décelé une aventure qui ne pouvait arriver qu'à quelqu'un vivant dans des conditions très, très difficiles. Quand on n'a pas de quoi bouffer, on ne pense pas au marxisme, on pense à bouffer. Quand on est tout seul, qu'on a pas de quoi fumer, pas de feuilles, pas de quoi dormir, on n'a pas de préoccupation idéologique, on pense immédiatement à ce qu'il faut faire quand on a un habit complètement, un costume complètement usé, complètement, quand on est en loc, on n'a pas d'autres préoccupations, on a des préoccupations immédiates. Et le reste, préoccupations, que ce soit idéologique, métaphysique, n'importe quoi, c'est un luxe pour bourgeois, je trouve. Et ça, je voulais le prouver, je voulais le dire très froidement. Alors, des gens ont réagi un peu contre ça. Ce que je comprends, mais ça fait plaisir parce que c'est vraiment fait exprès, c'est vraiment pour qu'on dise, mais ce type-là, il pense pas à venir, à sa politique, à la religion, il pense à rien. J'y tenais, je crois là avoir atteint la partie de mon but, par les gens, quand on proteste contre le film pour ces raisons-là, c'est que ce que je voulais. Il y a quelques personnes comme ça qui m'ont suivi, que je rencontre périodiquement. J'ai rencontré plein de fois Jean-Luc, c'était l'homme aux lunettes noires, et j'ai rencontré beaucoup Jean. Il y avait un jeune homme blond avec des longs cheveux et une lavalière que je croise souvent et qui est encore là. Et c'est Eustache, c'est ça mon histoire avec Eustache. Il manque, c'est des gens qui manquent, et puis faut, comme on vit encore et qu'on a. Bah, il faut vivre. Dans le cinéma, de plus en plus seul. C'est ça.
Je cherche dans les journaux, enfin, un article de Pierre Mendès-France. Je dessinais des marionnettes pour Émilie, qui a 2 ans et demi, et vive la garderie. 2 enfants, en vacances, en montée, une pièce de théâtre, 2 petites filles. La République est orpheline depuis 10 ans, où est mon chef Pierre Mendès-France. Ah, cet article sous ma plume, c'est écrit pendant l'été qui suivit l'avènement de la République de François Mitterrand. 2 enfants ont monté cet été chez maman, 2 enfants, les ingénieuses, qui veulent être artistes. En fait, le coup du siècle, la République adorait être artiste. Poum, c'est bien là ce que j'ai écrit. Poumi, c'est bien là ce que j'ai écrit. Il n'y a plus que toi. Et mes bras qui te cherchent, et mon corps, et mon cœur qui t'appelle. Il n'y a plus que toi, tes mains, ton ventre doux, tes yeux, tes bras, ton cou, et mon cœur se desserre. Chantal Ackerman, petite Jeanne qui demande des nouvelles de la maison. Chantal, elle avait quelque chose de la simplicité à l'entrepôt, quelque chose de l'intelligence à Rotterdam. Ce qu'il y a de plus joli dans le courage d'une femme, elle le pose là sur un fil. News from Home de Chantal Ackerman, Sainte Solitude, Amour, Secret, Tenacité. Chantal rappelle Jean au début, Le faire seul, News from Home. Chantal, comment tu fais pour t'adapter pour un projet qui est conçu au départ comme un film très cher et pour ensuite le tourner avec beaucoup moins d'argent comme tu as fait? Je m'adapte mal. On a réécrit pour moins de pages. On a tourné en moins de temps. Mais je trouve que je l'ai payé trop cher. Je pense que je le ferai plus. Si je devais refaire, je changerais vraiment fondamentalement. J'essayerais pas de faire en plus petit ce que j'ai imaginé en plus grand. Pourquoi Golden Etis, donc, c'est un film construit sur le plat? Oui, mais c'est un film anti-romantique où il n'y a pas de hiérarchie dans les choses. Si tu veux, tout est au même niveau. Par exemple, Charles Denner, donc un des personnages, à la fin, il compare l'amour à une robe, par exemple, tu vois. En général, bon, ben, dans un film, l'amour, c'est en haut dans la hiérarchie, et puis acheter une robe, c'est en bas. Ben, là, c'est au même niveau, c'est... C'est pour ça que c'est sur le plat. Je pense que chez nous, il n'y a pas de haut et de bas, si tu veux. Il n'y a pas ce qui est en haut, il n'y a pas ce qui est au ciel, qui a une grande valeur. Tout est au même niveau. Ah, c'est la même chose, tu veux dire, que quand Jacqueline Mann, quand tu fumais la vaisselle ou ces choses-là. Ça, c'est encore autre chose. Oui, c'est vrai que non plus, il n'y a pas de hiérarchie dans le film. Le meurtre... Et filmé de la même manière que quand elle fait la vaisselle. Si tu veux, de la même manière, par exemple, tu vois, chez nous, on ne peut pas compter le nombre de gens dans une pièce. C'est la même chose. Une personne, autant, si tu tues une personne, c'est la même chose que si tu en tues plusieurs. On ne peut pas compter. C'est la même chose. C'est toujours un sens qu'il n'y a pas de hiérarchie. Tu vois. Et je n'ai pas envie de donner, dans mes films, une hiérarchie aux images. Et donc, ça donne un effet de plat. Et alors, et à toi de réagir, parce que si déjà toi, en tant que metteur en scène, tu mets une hiérarchie dans les choses, ben les gens, ils n'ont plus de choix. Ça perd le rapport à eux. Tu vois, tandis que quand tu exposes sans hiérarchie les choses, ben c'est à chacun à se situer face à ce qui se passe. Donc, ça te laisse une place d'être humain, de personne en face du film. Sinon, dans les scripts, tu écris des choses, tu notes des choses de la réalité. C'est toujours un peu transformé. Surtout, bon, admettons que tu as une idée qui vient forcément d'une chose que tu as sentie, d'une chose réelle. Bon, la manière dont tu la développes, c'est en général, tu prends plusieurs choses de la réalité, tu condenses sans t'en rendre compte, et ça forme une chose, tu vois. Souvent, c'est comme ça. Alors le plus facile, c'est pour moi, c'est les dialogues. Ça va. Alors parfois quand ça va pas, je me dis, ben tant pis, je vais écrire n'importe, je pars d'une phrase, de n'importe quoi,
pour m'enclencher, si tu veux. Et bon, admettons, il y a 3 pages, et puis sur les 3 pages, il y a Kathleen qui me plaise. Tu vois, pour m'enclencher, pour mettre cette machine en marche, parce qu'elle elle a pas envie, elle résiste toujours. Alors, si tu te retrouves là et tu dis, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire au fond, tu peux tout faire, il y a 1 milliard de trucs, et quel va être ton choix? Donc je me dis, n'importe, j'écris une phrase, et puis je vois. Tu vois, et bon, et après, il reste un petit quelque chose, ou parfois un peu plus. Le tout, c'est vraiment ce que je dis, c'est enclencher la machine à émotion, et à sensation, et à réflexion. Mais il y a un endroit de moi qui ne veut pas le faire. Tu vas tourner là. Oui, si tout va bien, je suis en préparation. Je pars dans 3 semaines tournée. Voilà. Et j'y vais. Bon, chanteur. Jacques Grillon se joint à nous dans les années 70. Il a des amours dans la vie et il aime bien les enfants. C'est le premier qui leur confie un grand rôle. Mais ce qui me touche tant, c'est qu'il sait bercer les cœurs et que c'est à la tendresse qu'il a donné sa vie. Dire le chagrin, c'est très difficile et c'est une technique. Il faut avoir le fond bon et la culotte assise. Jacques Doyon, il est très fatigué. Il vient de passer la première partie de sa vie à construire un secret et à le bien garder. Comme nous avons tous les cinéastes nés à la moitié du siècle manqués et perdent la vie, on ne va pas lui demander lequel. C'est déjà pas mal qu'il existe. De tous ces films, je préfère La femme qui pleure. Ça me rappelle quelque chose. Pas quelque chose que je sais faire, mais quelque chose que je sais comprendre. Mais j'ai pas vu tous ces films. Je veux dire, je préfère ça à la drôlesse. Encore que ça rende fier qu'un des nôtres aille à Cannes. Question d'âge et du secret tout à l'heure. Encore qu'il va falloir abandonner cette idée du monde, notre âge, pour des questions de naissance et de responsabilité. Il a bien vu ça, d'ailleurs, Jacques Doyon, nos petits privilèges. Mais je crois pas qu'il en usera contre les ouvriers de notre âge et leur père. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Bah, il a été formé à Rue d'École. Les artistes, ça dit pas grand-chose aux nantis, puisque ça parle d'amour et de liberté. Dans notre génération, on n'a pas grand pouvoir, la caméra est chère. Chère caméra de Jacques Doyon. On entend une sonate pour enfants, décrire les sonnets et les larmes. Une vie de province, une raison majeure. Un siècle de couleurs et de pastels cachés au fond des mâles. Une échelle, un grenier. Une adolescente, une maison, un jardin, des dessins remarquables. Et des personnages qu'un trait très fin délimite et fait choir en la raison par affliction. Le courage d'une enfant et d'une jeune mère, les pleurs de celle-ci et sa ténacité. Les jours chastes. Les jours où l'on fait l'amour. L'amour, le mot est lâché, les films d'amour. Je suis un jour dans un studio d'arrêt d'essai devant le film Le mieux joué de la saison. J'accorde mon violon, La femme qui pleure. Les gens autour de moi trouvent ça un peu trop vrai pour être encensé, les caractères, les attitudes. Jacques Doyon pourrait défendre mes films comme je défends aujourd'hui les siens. Je ne sais plus pourquoi. Pour d'autres raisons que ce qui se rapporte à la mode ou à l'argent. Pour les sentiments, disons, pour parler d'autre chose. Ou parce qu'intelligent, et ça ne se dit pas. Parler surtout de La femme qui pleure et d'un des films récents, La vie de famille, que j'aime bien. Comme la nouvelle vague d'arrêt tout ça, nous avons donné une très grande importance aux relations amoureuses dans le cinéma. Comment tu expliques que la vie intime soit devenue la principale source d'inspiration? J'ai un peu envie de te dire par faute de curiosité, parce que c'est vraiment là, c'est devant le nez. Alors, je crois que c'est par défaut de curiosité, oui. Un peu de mal à t'en dire plus là-dessus. Je crois
crois que c'est ce qui me tracasse certainement le plus. Si tu ouvres pas les yeux très fort, t'as ça entre les yeux et sur la tronche en permanence. Il y a une facilité à ne pas s'en dégager et tout en voulant essayer de faire un peu de malin avec ça. Mais là, tu es pas loin de l'enfant, enfin oui. Parce que si tu parles de vie de famille, c'est surtout le rapport avec l'enfant. Et dans la femme qui pleure, c'est un peu évidemment essentiellement le rapport avec l'enfant, je l'imagine. Quand tu dis par exemple, là tu vois, je voulais filmer mon fils tout à l'heure, je l'ai posé sur la commode. Bon, sa maman a dit non, je veux pas que tu le filmes. Toi tu penses à partir du moment où je vais l'inscrire à l'école maternelle, mettons, je vais pouvoir à peu près dire bon bah je peux peut-être prendre comme tu vois une liberté vis-à-vis de la maman. C'est drôle que tu poses ça toujours par rapport à la mère. Une espèce de personne entre ton groupe et toi qui t'autorise ou qui ne t'autorise pas à filmer. Non, la place de c'est bizarre que la mère soit là pour que l'autorisation passe par elle. Je trouve pas ça mal, je trouve ça seulement un peu bizarre là. Ah, tu veux dire que même sans... Pourquoi ta maman dit oui, tu es là de lui demander est-ce que je peux faire ce plan de mon enfant ou de notre enfant sur la commode. Non, je lui demande parce que je pense toujours que, tu vois, en France, les enfants, ils sont confiés aux mamans toujours, quand même, leur éducation, si tu veux. Alors bon, je pense, si une maman, instinctivement... Ouais, mais c'est quand tu filmes ton enfant, c'est ton éducation à toi que tu refais. Hein. T'as pas besoin d'intermédiaire. Hein. Toi, par exemple, le premier plan que t'as fait de ta fille, par exemple, comment tu as fait, mettons, tactiquement? Je me souviens pas, c'était la femme qui pleure, mais quel est le premier plan à faire de la femme qui pleure? Je m'en souviens pas. Si, la tactique, c'était de virer les gens, c'était une caméra planquée qui faisait moins de bruit que celle-ci, et c'était un micro, là, fixe, qui faisait que je supposais que je la perturbais un petit peu moins, et que... On avait chassé les envahisseurs et que je me retrouvais avec elle. Alors l'idée, je suppose, j'en sais rien, que les envahisseurs chassés, on soit tous les deux ensemble, je supposais que ça pouvait que la réjouir ou l'effrayer un tout petit peu moins. Les techniciens, alors, tu veux dire? Oui, alors les... Je crois qu'elle y arrivait, mais ça avait aussi... Pas comme, à 3 ans, elle savait qu'on était en train de tourner un plan, je suppose. T'es celui d'entre nous qui fait des films très subjectifs et intimes et qui est projeté ensuite sur les Champs-Élysées pour le grand public. André Téchiné aussi a un immense succès, mais ses films sont de conception plus classique que les tiens. Ouais. Est-ce que le fait que tes films fassent des centaines de milliers d'entrées, c'est une chance ou est-ce que tu travailles plus que nous à la capture de tes fans? Écoute, là tu parles au passé parce qu'on est dans un musée de cinéma, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Donc j'aurais un peu entendu ton discours il y a 3-4 ans aujourd'hui. Oublie-le, il est faux. Le dernier score, ça devait être 50 ou 60 000 entrées, donc ça descend bien normalement et le prochain sera encore en dessous. Et après, je ne sais plus s'il y en aura parce que... C'est juste un moment où ça ne se rembourse pas du tout, donc s'ils ne décident pas de nous laisser survivre comme des espèces de bestioles en voie de disparition, on est absolument cuit. Hein. Et tu rejoindras là où Chantal et moi, on en est restés. Ouais. Mais ça, c'est le cinéma tout le monde en ce moment, c'est la crise. C'est pas toi qui es en déperdition. Ah non, mais on est tous là-dedans, mais je suis en train de vous rejoindre. Hein. Pas hasard si on est assis l'un à côté de l'autre. La question était, j'aurais pu répondre comment, il y a 3 ou 4 ans. Est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que tu travaillais à ça, à l'intérêt du spectateur, ces choses-là? En fait, à la compréhension, est-ce que tu t'obstinais à pas faire de provocation et tout ça inutile? Non, je crois pas. Je pense que... Moi, j'entends plutôt l'autre discours. Le discours dominant, c'est... vous gâchez votre belle carrière, vous avez un peu de charme, pourquoi vous l'utilisez pas?
Donc il y a 15 ans que j'entends les leçons de Berry, de Bonnel et des autres. Le sentiment d'un gâchis, la comparaison est toujours faite avec Truffaut, venant de Berry par exemple, à savoir de temps en temps, c'était bien qu'il fasse, et rudement bien, je trouve, une chambre verte ou un enfant sauvage, mais par bonheur il faisait un autre cinéma le plus souvent. Et ces gens-là, que j'aime bien, ne comprennent pas ce que je fais, donc on reproche de ne pas utiliser le côté, je n'ose pas dire joyeux, c'est un mot un peu fort, le côté un peu charmant, voilà. Donc on me reprocherait plutôt de ne pas de faire trop de femmes qui pleurent et passer une drôlesse. Non, pas toi. On m'approchera plutôt l'inverse. Non, je regarde là où la femme qui pleure, parce que c'est là où j'ai accroché. J'étais dans le métro, comme ça, puis j'avais l'impression d'être vraiment seul dans le cinéma et tout ça. Par Eustache, quoi, et puis un peu à Carmen. Et puis, tac, j'ai vu cette affiche, comme ça, j'ai accroché, j'ai été le voir, et tout de suite, tu vois, j'ai trouvé que c'était fantastique, quoi. Le cinéma subjectif, quoi, ce que j'appelle subjectif, c'est-à-dire des choses qu'on trouve pas. Mais peut-être les gens aiment pas ça, le cinéma personnel ou toutes ces choses. Et il y a un truc que Truffaut m'a fait dire quand il est mort, il m'a fait dire que justement ce cinéma-là qui ne doit pas disparaître et qui peut très bien disparaître un jour, tu vois, ce genre de film. Oui, la menace seconde, en ce moment. Oui, parce qu'on peut très très bien, le cinéma peut très bien... faire une métamorphose comme ça, et puis dans le passage, pour échapper à la crise, se débarrasser de tout ce qui est le cinéma personnel. Et c'est, alors que c'est un truc qui est très typique français, qui est très. Qui est, à certains moments de sa vie, quand on est un peu désespéré, ça devient le seul cinéma qu'on veut voir. Tout le reste, on trouve ça sans aucun intérêt. Et c'est sûr que c'est. C'est pas la nouvelle vague qu'ils l'ont inventé, mais ils l'ont un peu systématisé dans leur projet. Et peut-être tu le trouves avant remontant évidemment à Vigo. Oui, mais il y avait plus de santé dans la nouvelle vague. Nous tout de même, la santé, c'est pas d'être fort là, non. Quand tu vois les premiers films de Godard et de Truffaut, il y a une envie de tourner qui est absolument irrésistible. Tu leur donnes trois sauts, ils sortent dehors. Et quand on te donne trois sauts, tu sors dehors ou tu rentres chez toi, je sais pas très bien, mais. Et eux, vraiment, sortent d'heure avec un plaisir et une malice qu'on n'a pas, là. Alors maintenant, ils sont heureusement fatigués, comme nous, mais j'ai l'impression qu'on a récupéré leur fatigue, mais pas leur santé. Le cinéma plus important que la vie, quoi, en ce qui concerne. Mais moi, c'est ce qui m'a toujours paru une aliénation, quand même. Non, je veux dire, le cinéma, l'amour pour le cinéma, toutes ces choses-là et tout... En même temps, je pense qu'il vaut mieux être, je sais pas moi, fidèle à sa vie qu'au cinéma. Quelque part, tu vois, c'est le cinéma par rapport à l'existence, c'est quand même c'est un miroir aux alouettes, quoi. Tiens, c'est un piège. Mais quand tu étais enfant, tu avais bien un cinéaste français qui te polarisait Il y en avait deux, trois. Moi, j'aimais bien les films de Becker, et puis ensuite découverte de Vigo, là. Bon, j'ai jamais réussi à aller bien avec Renoir, peut-être trop de santé, alors, on parlait de santé. Et Vigo, ça m'allait tout à fait bien, là, pas assez de santé, donc ça, il y avait une fièvre qui m'allait bien. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux te dire, moi? Mais plus les premiers Truffaut que les premiers Godard, bizarrement, ou pas bizarrement, d'ailleurs. Les Mistons, j'adorais tout à fait ça. Ça m'a donné envie de faire des films. C'est peut-être le film qui m'a donné le plus envie de faire le film. Et puis la suite, évidemment. Les deux suivants, ça m'a donné vraiment envie de faire des films. À la fois les films avec Léo et bien sûr Tiré sur le pianiste, qui me paraissait. J'ai l'impression de ne pas vous connaître, c'est le cinéaste français. Moi, j'ai arrêté le cinéma avant la projection. Côté de la fin des années. Début des années 70, je dirais. Alors, je suis plus du tout apte à donner des... à savoir qui je me sens plus près. Je crois que c'est un peu esthétiquement et pas esthétiquement. Ce qu'ils font, c'est esthétiquement, comme ils se baladent dans la rue, quand je les rencontre, mais non, difficile de prendre une position. D'autant qu'on est tous, à part peut-être toi qui, de temps en temps, vaguement, à des heures perdues, une espèce de rassembleur, moi, je les vois pas, alors j'ai pas de...
très compliqué parce que sur le film de stage, j'ai eu deux projections. Alors j'étais sous un. Enfin, oui, une chose tout à fait formidable, tout à fait. Enfin, fort et formidable. La première fois, et j'avais mis ce film-là vraiment si haut dans ma tête que lorsque je l'ai revu, la déception était là. Enfin, ce qui me paraissait ne pas fonctionner. Et, enfin, beaucoup de choses paraissaient ne pas fonctionner, mais c'est parce que je l'avais élevé si haut, comme une espèce de machin très si mythique, que ça fait pas du bien au film, ça. Donc je suis sûr que le film était très bien. Mais la connerie était d'en faire une espèce de. Comme tous les films forts, il ne faut pas que ça. Faut pas que ça claire trop, sinon ça finit par s'éteindre. Mais j'aurais bien voulu être un sportif un peu solide, mais. J'avais des palpitations, ça se posait pas. Alors après, qu'est-ce que j'ai voulu être? J'ai voulu être rien, idéalement. Quand on veut ne rien devenir, je pense que le cinéma, c'est tout à fait bien. Mais. Non, il y avait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une chose qui me plaisait. Dans les boulots que j'ai fait, il y a une chose qui me plaisait bien. C'était trier des lettres. Ça me plaisait bien. J'ai fait ça sur une ligne mythique, là, qui était celle qui va à JV, donc à Charleville. Et j'ai trié là du courrier pendant quelques temps. Ça, j'aimais assez travailler la nuit, trier du courrier. Il y avait quelque chose de mécanique et d'obsessionnel qui m'allait très bien. Comment tu vas appeler ton prochain film? Écoute, il s'appelle La fille de 15 ans. Il pourrait s'appeler Le Gage, il peut s'appeler Les Garçons, il peut s'appeler. Bon, il y a 3-4 parties. Alors, on prend le titre d'une des parties, c'est pas très. C'est pas le titre qui me file des inquiétudes, c'est qui réussira à le faire. C'est trouver les 3 sous pour le faire. Intérêt à avancer parce que. À avancer le film. Je prétends qu'on est cuit, alors dépêche-toi de faire le tien aussi. Alors qu'il soit. Non, moi je tournais derrière, là, les baisers de secours. C'est difficile, hein, monter des films. En fait, on fait des films sans producteur. En fait. Oui, surtout que ton discours, il tient plus, là. Ça va si vite qu'en principe, à la fin de l'année, on devrait être hors service. Si ça va bien, on devrait pouvoir faire des films à partir de l'année prochaine, donc on fera des comédies. Ouais, et toi, tu feras des polars, non? Non, je ne veux pas faire ça. Des films d'aventure? Non. Je vais te laisser. Salut, Jacques. Tu veux demain? Je préfère, moi, rester près de Chantal Ackerman, de Benoît Jacquot, d'André Téchiné et Jacques Doyon. Pour la raison suivante, les poètes, les livres, la peinture de notre génération. Je pense à Muriel Serre, par exemple, que je ne connais pas, écrivent d'une manière très simple leur enfance et leurs amours. Nous ne devons pas nous disperser. Voilà, c'est Benoît Jacquot, le metteur en scène de l'assassin musicien des enfants du placard. Corps et bien. J'avais pour maître Robert Bresson. Tu peux nous parler de lui? J'avais pour maître Robert Bresson, mais ça c'est toi qui me dis. Ah bon? Tu trouvais des films de Robert Bresson fantastiques? Ah oui, oui, mais ça n'a jamais été ce que tu appelles un maître, non, je crois pas. Non, je pense que c'était pas. Non, c'était plutôt des cinéastes américains, moi. Des cinéastes américains, des exilés en général, genre Fritz Lang ou des gens comme ça. Mais tu n'aimais pas beaucoup Mouchette, tout ça. Voilà, oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on se voyait beaucoup au moment où Mouchette est sorti. Ouais. Ah. Et non, j'aimais pas trop Mouchette. Mais pas ça. Non, j'aimais beaucoup mieux les films précédents, Balthazar ou Jeanne d'Arc. La mémoire transforme les choses. Et si des cinéastes français comme ça, c'est plutôt Renoir, moi, que j'aimais beaucoup.
Même si après, à propos de ce que j'ai fait, on parlait de Bresson. Et Benoît, il y a une chose qui m'est restée dans ce que tu disais après ton premier film. Tu disais, l'important, c'est l'histoire du passage de l'argent. Je pense souvent à cette réponse-là. C'est vrai que mes films mettent en scène des rapports à l'argent qui sont des rapports de malaise, des rapports d'inhibition. Mais paradoxalement, moi, j'ai pas du tout ces rapports-là avec l'argent finalement assez considérable qui est nécessaire pour faire un film. J'ai plutôt des rapports assez aisés avec ces sommes-là. Mais l'argent comme mode d'inhibition dans son passage, enfin crée des inhibitions dans le passage de main en main. Ça m'a fait penser à ça, tu vois? Oui, dans le film. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je raconte, que je mets en scène, qui me sert à fabriquer le film et à conduire le film. Le film est... Enfin, ce film-là dont je parlais à ce moment-là, qui était mon premier film, et puis les autres ensuite, plus ou moins même degré, ont mis ça en scène, c'est-à-dire une circulation d'argent qui détermine les rapports des personnages et tout ce qui est mis en scène dans le film. Mais moi, en dehors, moi auteur du film... d'argent, l'argent qui circule. Alors là, pour fabriquer le film, c'est pas quelque chose qui me met mal à l'aise, enfin. J'ai pas des rapports difficiles avec ça. Moi, j'aime beaucoup Barocco. Je trouve que c'est un film onirique. Après, Barocco, ça a beaucoup de souffle. Quand tu commences un film, quand tu écris les premières lignes du scénario, tu te bases sur ta propre vie ou c'est imaginaire? Moi, j'ai toujours besoin de m'appuyer comme ça sur des choses que j'ai vécues, effectivement, mais en même temps, je peux pas non plus les retranscrire d'une façon directe. J'ai toujours besoin de les déformer, de les transposer. C'est-à-dire que c'est ce qui déclenche mon imagination, quoi. Mais Barocco, c'est un film de c'est un film d'imagination essentiellement. Hein. J'aimais beaucoup les films de Jean Eustache. Oui, j'adorais ça. Hein. Ouais. Moi, j'étais un grand cinéaste. Ouais. Mais bon, on a parlé de la maman à l'hôpital. Ce qui est curieux, c'est que, il semblerait que... qu'il avait décidé très tôt de ne vouloir parler que de lui, que de ce qu'il avait vécu. Je trouve que c'est un cinéaste qui est complètement tourné comme ça vers l'intérieur, un cinéaste complètement introspectif. Et je crois que lorsqu'il était comme ça en panne dans la dernière période, il disait justement souvent que c'était parce qu'il ne... Parce qu'il ne vivait plus rien. André, c'est un très très grand cinéaste. C'est lui qui a fait Barocco. Tu l'as vu ça, Barocco? Oui, je sais, Barocco. C'est le rendez-vous là, c'est très beau aussi. Et Hôtel des Amériques. J'aime beaucoup les films de Werner Schroeter. Werner est allemand, il ressemble un peu à un tableau de Dürer. Il est né après la guerre. Son plus beau film, c'est, je crois, Le règne de Naples. C'est la naissance du cinéma dialectique allemand de notre âge. C'est l'histoire de sa famille, puisque l'histoire se situe à la libération. Je suppose qu'il l'invente, qu'il brode, ou que son père lui a raconté cette histoire. Avec sa caméra, il dessine les attitudes d'un temps qu'il n'a pas connu. Et tout ça paraît plausible, justement, grâce au raisonnement dialectique. Tout ça paraît plausible, grâce au raisonnement dialectique, justement. Et tout ça paraît plausible, grâce au raisonnement dialectique, justement, qui imite la vie et en donne une image réaliste.
Mais le plus beau, mis à part la peinture, puisque Werner est un peintre, comme beaucoup de bons metteurs en scène, c'est que ces personnages sont... c'est que ces jeunes femmes sont des égales de ces personnages masculins. Et qu'ainsi, l'intelligence aussi domine le récit. Autre vertu de la dialectique que cette égalité. Futilement, Werner a très bon goût, et ses visages sont très beaux. Philosophiquement, Werner est intelligent, et le film se termine par la mascarade de deux bouffons. On pense au nazisme, d'autant que Werner a filmé la Murène, datée et tout, des années 40, avant qu'il ne vienne au monde. Dernier film qu'on a fait, Le Roi des Roses. C'est une situation très difficile parce que Magdalena, elle sentait d'avoir très peu de temps parce qu'elle était très malade. Le sujet dont je parlais, cette histoire d'amour entre deux garçons avec une mère qui regarde, c'était une histoire qui n'intéressait pas la télévision ni les grandes productions, personne. Uniquement les amis, nos amis. Bon, finalement, on a tellement poussé de faire le film. J'ai eu de l'argent de mes amis, que je dois repayer patiemment encore. Et on a vraiment fait une production spontanée. Et finalement, on a fait ce film d'une façon peu orthodoxe. C'était bien parce que c'était comme la façon de travailler, c'était aussi la dernière. Peu orthodoxe avec Magdalena. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui prennent l'acteur comme un instrument. Je parle du théâtre, non? Au cinéma, tu es obligé de prendre l'acteur comme instrument, aussi comme instrument, comme couleur, non? Au théâtre, je déteste les metteurs en scène. Faire venir l'acteur vitalement. Et moi, c'est ça que je sais. C'est d'une façon très difficile, parce que c'est beaucoup d'énergie, mais autrement, c'est le plus grand plaisir, parce que tu te trouves pas seul. Mais c'est un travail très humble et très caché, toujours le travail de la mise en scène. Oui. C'est servir l'acteur. Oui, bien sûr. Il joue juste. Oui, mais servir l'acteur, c'est pas... c'est non plus ça. Non, il faut le faire venir, vraiment, non? C'est l'acte érotique, la régie, la mise en scène. Et c'est la même chose avec l'opéra, non? On dit toujours, c'est les clichés, on dit toujours les chanteurs lyriques, ils savent rien, ils sont tellement banals et stupides, c'est tout le contraire. Moi, j'ai fait des expériences avec des chanteurs à l'opéra, partout, qui savent, oui, et on travaille de la même façon comme avec les acteurs. Ils sont également ouverts. Je crois, normalement, c'est l'angoisse devant des très mauvais metteurs en scène, c'est tout. Ça veut dire, si le metteur en scène arrive en sachant tout, il n'y a pas de place pour l'acteur ou pour le chanteur. Il n'y a pas d'espace pour ça que j'appelle co-création. Ou à la fin, on se souvient, c'était l'idée de moi, c'était mon idée, c'était l'idée d'un acteur, d'un chanteur. À la fin, c'est une unité qui doit se créer. On ne se souvient plus qui a eu l'idée. Ça t'arrive, Werner, de penser à Jean-François, non? Oui, assez souvent. Ben c'était un genre d'amitié qu'on a commencé en 73. Et bon, on s'est vu assez souvent avec Bull, Logier, Barbara et Schroeder, avec d'autres amis comme Ingrid Cavan. Bon, et on a vu dans les dernières ans de la vie de Jean qu'il est devenu de plus en plus dépressif. Et ça, c'est pas du tout étonnant, parce que si quelqu'un avec un tel talent, avec une telle originalité, avec beaucoup d'énergie émotionnelle en plus, non? Très beaucoup d'émotions.
beaucoup de patients. Ah, pendant pratiquement toute sa carrière, a eu une telle difficulté avec un talent de faire son travail. C'est évidemment un déchargement d'énergie négative, non? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas droit à s'exprimer comme artiste? Et ça, je souligne, c'est vraiment un des grands artistes du cinéma français, Jean Donc, évidemment. Et tout ça renforce le problème personnel dans la vie, non? Les conflits quotidiens deviendront de plus en plus visibles si tu ne peux pas t'exprimer dans ton travail. Parce que la frustration artistique ou d'expression cinématographique, dans le cas de Jean, dévoile de plus en plus les abîmes de la vie personnelle, non? Et ça monte et monte et monte, et ça devient une montagne insurmontable, non? Mais je crois qu'on a peur des gens avec un véritable talent très personnel. Bon, de toute façon, je viens en France pour voir mes amis, peut-être pour travailler, pour te revoir, et maintenant je me retire dans mon théâtre, pas le mien, mais dans le théâtre allemand. Et après, je vais en Italie. Et après, qu'est-ce qu'on sait? Ciao, Philippe. Ciao, salut. Salut ton fils, non? Oui. J'aime les films d'Antonioni et certains films de Visconti, comme Sandra, Val d'Étoile de la Grande Ours. J'aime Trans-Europe Express, L'Espoir d'André Malraux, les films de Jean-Luc Godard. Dans les œuvres du passé, j'aime Zéro de conduite et Jules et Gine dans celle d'aujourd'hui. J'ai décidé de parler des ouvriers et des ouvrières des labos, c'est parce que dans les émissions de cinéma, on n'en parle jamais. Pourtant, c'est bien eux aussi qui font le cinéma. Évidemment, ils ne sont pas sur l'écran, mais pliés en deux dans une usine, les yeux rivés sur le film. Les hommes manipulent les produits toxiques pour le traitement des films, et les femmes montent les négatifs. Ici, après 40 années de traitement des films, les femmes devient des laboratoires. On les voit qui s'activent dès l'aube et le soir après la sortie des monteuses. Il y en a une ici qui a connu Vigo et Ophuls et qui balaie à 70 ans pour un salaire misérable. Alors je peux vous refaire le coup du cinéma, les Champs-Élysées et tout ça. Si, si, j'y tiens. Le jeune metteur en scène sur les Champs-Élysées qui fait ses premiers promets. Léo Scarax. Le cinéma, on a vu d'autres, mais n'oubliez pas les ouvriers du cinéma. J'ai pensé à l'histoire de Bourgard, là, que tu avais vu, puis tu lui avais donné un de tes scripts, puis il avait écrit chambre intérieure, l'air fermé, il avait dit je ne produis plus de chambre intérieure nuit. Puis après tu lui avais dit
Mais ça peut se passer sur un quai, et bien bon, alors ça m'intéresse. Ouais. Pour aller voir ailleurs. Tu veux qu'on s'en aille? Alors tu viens avec les Mitchell, on m'a dit. Oui, merci. Toi, si je suis pas forcé de faire le film trop vite, on m'accorde à comme ça. Pour affronter les visages, un film, c'est la plus belle, la Mitchell. Ouais. Et Mitchell, c'est lourd pour filmer les filles, hein. Quand même. Et Mitchell, quoi? C'est lourd, je dis. Filmer les filles, ça fait lourd à porter. Ça touche à porter, tu vois. C'est un truc, c'est un porte-bonheur, mais tu peux te le filmer. Regarde ça sur moi quand tu tournes ton trou. On regardera quand. Tout seul. C'est des gens avec qui tu veux tourner? Un couple. C'est Vigo et Lidu, non? Ouais. Je connais. Ouais, c'est une belle photo, ouais. Et t'avais vu la maman et la putain quand il était sorti? C'était quelle année, ça? Je crois... 74, il a dû sortir un truc comme ça. Ah non, non. Je m'intéressais pas trop. J'avais 13 ans. Ça faisait penser à un truc de... Tu sais, quand tu disais le cinéma détruit la vie, t'as vu ça dans un film ou dans un... Non, pas dans un film. Tu as dit ça dans un interview, je crois, le cinéma. Ouais, je crois. Bah lui, il aurait dû faire gaffe. Ça, je le pense, ouais. Donc, c'était un film très difficile à faire, sans doute. Ouais. Tu vas faire un film, là? Hein? Juillet. En juillet? Comment tu vas l'appeler? Juillet. En juillet? Comment tu vas l'appeler? Je sais pas trouvé, je crois peut-être. Ah, ça ira peut-être. C'est bien. En 89.